Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Jenny et les Diamant Painting. Donc vous pouvez voir, il fait entre guillemets beau, j'en profite pour filmer dehors. Je pensais que ça serait plus calme, bah non, j'ai fait mon lâcher de poule et elles sont toutes là, râler, râler, râler. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de fin du mois. Fin du mois parce qu'on arrive bientôt le 30 juillet. Donc je crois qu'on est le 29 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je vais vous présenter les toiles que j'ai faites pendant tout ce mois. Il n'y en a pas énorme parce que je me suis plus basée sur des grandes toiles. Par contre, on va retrouver un des vendeurs que je commence vraiment à détester avec le temps. Pour ceux qui suivent mes vidéos, donc vous avez déjà vu plusieurs fois ma vidéo qui parle de Humfun Official Store sur AliExpress. Je commence vraiment à les avoir en horreur. C'est-à-dire que ma toile déjà de mon mariage, que je n'ai pas pu utiliser le jour de mon mariage parce qu'ils n'ont pas été capables de me renvoyer les diamants manquants. Entre ça, la colle qui ne collait pas. Vraiment l'impression, je suis désolée du terme, on va le dire, dégueulasse, voilà. Bref, il y avait plein de choses, les rivières, les trucs comme ça. Je m'étais toujours dit que bah, du coup, Humfun, c'était terminé, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas donner de plusieurs chances. Et bah, ça m'est arrivé pour certaines boutiques de retenter la chose et d'être contente. Voilà, ça, une erreur peut arriver au final. Sauf que bah là, j'avais une toile dans mon stock qui était réservée à mon chéri. Voilà, je lui avais acheté une Austin en DP à lui faire pour mettre, puisque lui il est fan des Austin. Et bah, c'est une catastrophe. Voilà. C'était une que j'avais dans mon, depuis un petit moment dans mon comment on appelle ça, dans mon stock. Et bah, devinez quoi? Je l'ai commencé, alors je vais vous dire, j'ai mon petit carnet, diamant rond, le Steen, je l'avais commencé, donc il y a eu il y a quelques temps, j'avais fait vraiment un tout petit bout, je m'étais dit bon, allez, on le fait, et puis j'avais commencé tout au début de mon aventure dans le DP. Et puis j'avais arrêté parce que c'était vraiment des confettis. Moi les confettis j'avais beaucoup de mal à l'époque. À l'époque je parle comme si ça fait 30 ans que je faisais du DP. Non, ça fait quelques temps. Ça fait un an et je sais plus. Je l'avais parlé sur ma vidéo tag. Ça fait un an et deux mois je crois. Ouais. Je regarde parce que j'ai ma poule. Elle va me pincer le derrière. Ça va me faire bizarre. Et donc là je l'ai recommencé le 2 juillet. Et malheureusement, ben, je n'ai pas pu la finir. Voilà, j'étais ravie. Une chose aussi que Humfun fait, je ne sais pas pourquoi, il kiffe échanger les couleurs. Donc, je vais vous montrer le petit modèle qu'il y a sur le côté de la toile et les couleurs que ça a commencé à faire. Et honnêtement, encore une fois, sur ma toile d'épée, de mon mariage, ils avaient changé les couleurs. Et ben là, ils ont recommencé sur celle-là. Donc, je ne pense qu'ils ne savent pas faire correctement leur couleur. Voilà, déjà. Après, il y en a beaucoup qui disent que le diamant carré chez eux est parfait, mais le diamant rond est une catastrophe. Voilà. Je ne tenterai même pas le diamant carré parce que je ne sais pas, mais le diamant rond est une catastrophe. Donc, on va passer au modèle table pour que... Oh, un oiseau. On va passer au modèle table pour que je vous montre tout ça. Et puis... Vous voyez, là il y a hop, tout en bas. Vous avez Phoenix. Donc voilà. Je vais arrêter de parler des poules, on s'en fout. Allez filles. Donc on passe sur le modèle table, on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Vous pouvez voir, j'ai pu faire que ce morceau-là. Parce que je n'ai plus de perles. De diamants. C'est-à-dire que. Je vais vous montrer de plus près. Je crois que c'est les perles marron là, voilà.
c'est les diamants marron. Donc voilà l'image. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de rose. Hein. Regardez, même sur le toit, il n'y a pas de rose. Hein. On est d'accord. Et ben magie, magie, le toit est rose. Voilà. Du coup, je ne sais pas quoi en penser, mais Humfun, c'est littéralement fini pour moi. Que ce soit en diamant rond ou en diamant carré, parce que du coup, je n'ai plus du tout confiance en eux. Ils savent même pas faire la gamme de couleurs. Celle-là, j'ai de la chance. Ça fait un moment qu'elle est dans mon stock. Elle a aucune rivière. J'ai quand même pas mal de chance. Mais voilà. Je ne peux pas la terminer parce que je n'ai pas les diamants. Il faudra que je me débrouille à les acheter moi-même. Puisque Humfun me demande, pour ma toile par exemple, qui était quand même pas si vieille que ça, donc ils pouvaient très bien me les renvoyer vu que c'était leur erreur, ils m'ont quand même demandé d'acheter une autre toile pour envoyer les diamants avec. Ah mais non, non, c'est ton erreur, c'est pas la mienne. Donc je n'ai pas à repayer une toile en plus que je regretterai parce que ça, je regretterai parce que ça fera exactement la même chose. Voilà. Donc on a cette toile là. Donc il n'y a pas de temps puisque je ne sais pas. Il y a ma toile renard. Donc ça c'est une toile partielle. Alors j'espère qu'au niveau du son vous m'entendez bien. C'est une toile partielle, elle est juste magnifique. C'est un partenariat que j'avais. Alors attendez. Faut que je m'organise mieux dans mes vidéos, moi. Il y a vraiment un problème. Donc, ma toile renard, c'était un défi sur un site, donc Facebook. C'était celui d'Angélique. C'était qu'il fallait faire un animal. Oui, il fallait faire un animal. Donc, je l'ai commencé le 5 juillet et je l'ai terminé le 9 juillet. Donc, ça a été très rapidement. Je n'ai pas passé plus d'une demi-heure chaque jour dessus. Donc, c'est vrai que voilà. Mais c'était un partenariat que j'avais fait avec Wednesday Saving. Et regardez-moi, c'était juste de la qualité, quoi. Je l'ai encollé hein, depuis. Mais ça collait très très bien. Je suis sûre que j'aurais même pas eu besoin. Mais regardez-moi ça. C'est juste une beauté. Il n'y avait que 15 couleurs. Voilà, 15 couleurs. Ce que je demande... Oh, je vous fais trembler. Ce que je demande pas plus hein, venant des vendeurs, c'est une toile correcte. Bon. Eh ben, on n'a pas tous cette chance. Voilà. Sinon, au mois de juillet, j'ai continué, évidemment, ma toile. Clairement. Voilà. Alors, celle-là, hein, c'est juste une beauté. Ah, vous ne l'avez pas en entière. Attendez. Donc, je l'avance extrêmement vite. Alors, mais à une vitesse vraiment rapide. Donc, voilà, c'est Annaline. Je l'ai acheté à la boutique officielle store de Timmy Art. Donc, celle-là, je l'ai commencé le 6 juin. On ne sait pas quand je l'aurai fini parce que vu que j'en attaque plusieurs en même temps. Mais voilà, c'est juste une beauté. Et à faire, c'est... Elle est juste magique. Je vais vous montrer la qualité, hein, encore une fois. Hop. C'est juste, voilà. Une qualité de malade. Donc, j'espère vous la montrer un jour terminée. Et du coup, bah, vu que j'aime bien avoir plusieurs toiles, enfin, j'aime bien. Quand je fais une grande toile comme la Timmy Art, j'aime bien en avoir d'autres en même temps.
Et du coup, je me suis dit, je vais finir l'étoile que j'ai entamée. Donc, j'avais commencé ma petite ostine, mais voilà, Fun a encore gâché la chose. Et du coup, je suis repartie sur la toile éléphant que j'avais faite. Je l'avais démarrée il y a un bon moment, la toile éléphant de chez Action. Je l'avais commencé il y a bien longtemps. Je l'avais commencé. Ah, je l'avais pas mis la date que j'ai commencé, mais bon, je l'avais commencé il y a quand je l'avais acheté, donc ça remonte au tout début que Action l'avait sorti. Et donc je vous avais expliqué dans une vidéo où je l'avais commencé un peu à droite, un peu à gauche, tout en barbier. Et du coup, voilà. Voilà, je suis toujours un peu des deux côtés, mais j'ai déjà fait tout ça, voilà, et là j'en suis à là. Donc il me reste vraiment, vous voyez, pas grand chose pour la finir, donc je pense que d'ici août elle sera terminée. Je n'ai rien à dire franchement sur les DP de Action, ils collent très bien, les diamants sont bien taillés, ils brillent. Les toiles sont, oui, vous avez vu tomber la renard, c'est super. il brille vraiment très bien. Voilà, donc je peux vous montrer la qualité. Oui, je la plie hein, et ça fait rien du tout. La toile coulée est parfaite, ça colle très bien. Voilà, regardez-moi ça, c'est juste. Il y a un petit diamant qui s'est collé dedans. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, en gros, je n'en ai pas réellement fini à part ma renarde. Enfin, mon renard. Celle-ci. Et la catastrophe. Voilà, c'est tout. Je vous rappelle qu'il va bientôt avoir le tirage au sort. Alors, je pense que je vais laisser un peu plus de temps parce que j'aurais envie de faire quelque chose pour le tirage au sort. Donc, je ne vous dis rien parce que je ne sais pas si ça sera possible. Faut que je voie. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Il y aura juste un petit laps de temps. Voilà. Mais il sera tiré. L'abeille sera gagnée avec le stylet. Et d'ailleurs, je serai ravie de le voir une fois terminé, même si je sais à quoi il ressemble. Ah, je ne vous ai pas montré mon tracking du mois de juillet. D'ailleurs, j'en ai raté. Voilà. Donc, on voit que mois de juillet, j'ai quand même beaucoup plus coloré. Coloré. Beaucoup plus fait de DP que mois de juin. Voilà. Parce que j'en ai encore fait hier et je ne l'ai pas noté. Donc voilà, voilà. Parce que j'ai ma deuxième passion aussi avec. Sur certains ont pu voir qui ont Instagram. Mes vinyles. Que je décore. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une très 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 bonne après-midi ou journée ou soirée. Tout dépend à l'heure ou à laquelle vous regardez ma vidéo. Si cela vous a plu, parce que bon, c'était un peu une vidéo bazar, aucune organisation, mais on aime ça. Voilà. Et ben, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds toujours, du moins au maximum que je peux. Et puis voilà, bye bye, je vous fais plein de bisous.